Je connais pas ta maison, ni ta ville, ni ton nom. Pauvre riche bâtard, pauvre moi au visage, je reconnais ton regard. Et tu cherches une image, et tu cherches un endroit où je délivre ma foi. Cours, ma famille. T'es du parti du perdant, consciemment, viscéralement. Mais tu regardes en bas, mais tu tomberas pas tant qu'on aura besoin de toi. Et tu prends le bonheur comme un grain de raisin, ce qui pour autant de petits rien. Tu es
Merci. Merci à la chorale de Mélie Méo, de Mélodie. Ils sont derrière tout le spectacle, mais ils nous offrent 2 heures de musique live. On va vous montrer enfin nos musiciens de la MPL et de Lucille. Avec le point de main des musiciens appelés, l'équipe technique de Davy, nos costumières, les décors, l'accueil, le placement, nos scouts, merci à la caravane Sainte-Marie des loges en Jaujas. La réalisation de l'équipe par Karen Cam Vidéo et Christophe, merci. Ceux que vous voyez sur les clips, ce sont nos enfants, ils sont là, les enfants de Davy. On va les laisser passer devant. Ils ont fait un travail formidable. La team danse de Davy. Nos solistes, Zouzou, Kitty, Stéphanie, Lauriane, Alex, Augustin, Silver, Servane et maintenant Céline. Il y a 120 bénévoles dans cette troupe. Il y a 60 artistes sur scène, 95% d'entre eux sont amateurs et bénévoles pour Davy. On peut les applaudir. À la direction musicale, sans jeu par musique, Stéphanie Brousson, Sylvère Jobard et Thomas Bravo, s'il vous plaît. Joseph Laurent. Oui. Il est là. Oui. Et il y a une personne vraiment qu'il faut applaudir et saluer aujourd'hui, ce soir, c'est... Mais qui ? Monsieur Sébastien Bordet. Et sans qui, tout ce que vous avez vu ce soir n'aurait jamais existé. Voilà. Encore un applaudissement. Tous ceux n'ont pas grand-chose. Évidemment, sans vous, tout ça n'aurait pas été possible. Alors évidemment, on a fait tout ça pour l'Association pour la recherche contre la tumeur cérébrale, pour le Fonds Thomas Berti. Et demain, c'est la fin de cette aventure. C'est-à-dire que demain, c'est la fin du prochain spectacle. Et ben on arrêtera cette aventure. Forcément, ça va nous faire quelque chose. Ça fait 2 ans qu'on y travaille. Et voilà, le résultat est là. Et ce soir, on a voulu, même si c'était voilà, la vraie fin de ce drame, on a quand même voulu vous montrer le résultat de tout ça. Et voilà, on va remettre le chèque ce soir
de Davy au Fronto Vaberti. C'est, on va dire, la somme à ce soir, parce que je sais qu'il y a encore eu des dons. On a vendu encore beaucoup de places aujourd'hui, donc il sera encore un peu plus beau demain. Mais pour remettre ce chèque, pour recevoir ce chèque, pardon, j'aimerais accueillir sur scène, sous vos applaudissements, Marie-Claude Perti, le professeur Créant et M. Brandel de la RTC. Patienter beaucoup plus longtemps. Et ce soir, il y a donc trois personnes qui vont venir vous remettre ce chèque. Trois personnes qui comptent beaucoup dans ce projet. Je vous demande d'accueillir en musique Nicole Marchais, Monsieur Omar Ategui de Transgourmet et Jackie Mercien. C'est à vous l'honneur. Vous n'êtes pas présidente. Alors Marie-Claude. Eh bien écoutez, je ne sais pas, je le dis tellement que bah, merci à tous, parce que bon, c'est beaucoup d'argent vraiment, mais qui va vraiment aider le fond, et surtout la recherche sur les tumeurs cérébrales, parce qu'il y en a de plus en plus et on en a vraiment besoin pour la recherche. Je pense que le professeur Keong va vous dire un tout petit mot sur le sujet. En tout cas, merci du fond du cœur à la troupe qui a été extraordinaire, mais ça je l'aurais déjà dit plein de fois. Et puis merci au public qui est venu nombreux ce soir. Merci beaucoup. Merci Marie-Claude, merci Sébastien. 38 500 euros, c'est une somme non négligeable. Mais au-delà de l'argent, moi je dirais que la troupe de bénévoles que vous avez autour de vous, les spectateurs qui sont là ce soir, pour nous qui œuvrons quotidiennement pour la RTC, donc Association pour la Recherche sur les Tumeurs Cérébrales, vous ne pouvez pas savoir comme c'est motivant pour nous de continuer notre œuvre quotidienne. Donc si cela vous dit, je vais faire un appel, puisque demain, malheureusement, le spectacle se terminera, mais... sa recherche sur les tumeurs cérébrales doit continuer, donc on a besoin de tout le monde, que ce soit financièrement, mais c'est aussi bénévolement pour œuvrer, pour faire connaître à tout le monde ce que c'est que la recherche sur les tumeurs cérébrales. Et pour ce faire, je vais demander au professeur Ke Wong Chuang, que j'appelle souvent Ke, vous permettrez, qui est un élève du professeur Poisson, qui est à l'origine de la neuro-oncologie. Il est chef de service de neuro-oncologie du groupe hospitalier Pitié-Salpêtrière à Paris. Et donc je lui passe le micro pour qu'il nous explique très rapidement ce que c'est qu'une tumeur cérébrale. Merci et merci à vous tous. Merci François de tenir le chèque, j'ai jamais eu un chèque aussi lourd. Voilà, bonsoir à tous. Je ne peux pas commencer sans me joindre aux félicitations à, je me permets de vous appeler Sébastien, et à toute votre troupe pour ce spectacle magnifique qui nous a tous enthousiasmés. Vraiment, c'est vraiment un petit mot par rapport à beaucoup de talent, beaucoup de travail, mais je crois qu'au-delà du spectacle magnifique, c'est aussi vous avez fait quelque chose de grand et de généreux, de grand car généreux. Et voilà, cette générosité, on la ressent de bout en bout du spectacle, et puis elle se conclut avec ce geste formidable de faire le don de vos recettes et des dons
de tous les spectateurs, pour les chercheurs, pour la recherche contre les tumeurs cérébrales et aussi pour l'accueil des patients qui souffrent de tumeurs cérébrales, tant qu'on n'a pas encore trouvé aujourd'hui un traitement qui guérit de cette maladie dont souffrait Thomas. Alors je ne vais pas être long, je vais juste dire deux mots de cette pathologie. Marie-Claude disait qu'il y en a de plus en plus, il y a près de 3 à 5 000 nouveaux cas par an en France. Alors c'est loin des tumeurs, des cancers du poumon, des cancers du sein, mais c'est une tumeur qui est terrible. Je crois que c'est le cancer le plus terrible, le plus résistant au traitement, et puis surtout, il touche au cœur de la personne, qui touche le cerveau. Et nos difficultés, c'est qu'on ne peut pas traiter un cerveau comme on peut traiter la peau, ou le rein, ou le foie, puisque c'est un organe très sensible et on est beaucoup plus limité. Mais les chercheurs travaillent sans relâche et ça prendra plus de temps avec cette tumeur, hein, puisqu'elle est beaucoup plus complexe et délicate. Il faudra beaucoup plus d'ingéniosité, mais je n'ai aucun doute. On trouvera ce traitement, c'est une question de temps. Et puis une question de moyens. Et c'est pour ça que votre soutien est si important. Et je profite aussi pour remercier Marie-Claude, votre fondation, le fonds Thomas Berti, et puis voilà, tous ceux qui nous soutiennent. Merci beaucoup. Merci. Je vous ai resté avec nous pour finir ce spectacle. Je remercie Thomas Berti de transformer notre sponsor qui nous a tellement aidés pendant 2 ans. Nicole. Je fais partie de la chorale et j'étais une amie de Berti, et j'étais le secrétaire de Thomas. Monsieur Jacques Immercien, s'il vous plaît. Il est tellement à ce projet. Il a fait de nos rêves une réalité et il le sait. Et j'aimerais finir parce que, en fait, il y a quand même des gens à qui on est allé chercher ce répertoire qui vont apparaître là sur l'écran. J'aimerais remercier, voilà, juste faire une petite pause sur la vidéo. J'aimerais remercier tout particulièrement ce soir, vous aurez reconnu Jean-Jacques Goldman et vous aurez reconnu Michael Jones. Et ce soir dans la salle, il y a une personne qui est Connie Frédérix. Accompagnée de Jim, son mari. Ils sont venus de New York, ils sont à Paris, ils viennent de New York, ils sont venus assister aujourd'hui, ils seront encore là avec nous demain. Thank you very much for all. Thank you. Vraiment. Merci à Jean Bacomel pour son soutien, merci à Michael. On pense à nos étoiles, à Carole, à Thomas et aux autres. Merci, on va finir en musique. À demain pour ceux qui sont encore là demain. Merci beaucoup et à bientôt.